en direct de la Vallée Sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais, bravo! Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa! Si je veux, je fais 10 fois mieux. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik. Ouais. Un vrai champion! Ah bon? C'est vrai? Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage. Hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik! Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, sauve. Alors, c'est pas la classe là? Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis Cradoman. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenue ringard. J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça, pas vrai les filles? Eh bien parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Commence. Stop. Tu comprends ce que je dis? C'est génial. Oh oh, le flopacha n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage, ça vous dit? Le ménage. Brian, tu peux essayer le nuage, moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais
Et vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yeah! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé! Vous avez l'après-midi de libre! Allez, allez, faites ce que vous voulez! Tant mieux! Comme ça, le nuage pourra se reposer! Je crois qu'il va déjà mieux! Allez, c'est reparti pour un tour! Hé! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la deuxième fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha est dans la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde, le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yeah! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Nuage! Il est en train de disparaître! C'est de ma faute! Je l'ai tout usé! Il faut le remplir! Vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine! Pas le temps! Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve! Aïe! Désolée, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez, si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de boue. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale? Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de boue.
ça marche. Oui, on est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flopacha de ma part. Désolée, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez, le Flopacha prend sa douche. Oh, les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit?